Salut tout le monde, Runeslane avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On continue notre aventure Dying Light, l'expansion de Following, épisode numéro 4, je pense, c'est ça. Donc, on est parti, on va finir cette mission, trouver la foi, on va aller parler à Jazir ou Yazir. On va finir, je sais pas trop, mais en tout cas, on y va. J'ai déjà tout pris, et on est la nuit malheureusement. C'est vraiment pas cool. Ça, j'ai déjà ouvert, je suis sûr qu'il n'y a rien. Je l'avais ouvert dans l'épisode précédent. Je pense que... Donc, je suis que... Et voilà. Donc, on va aller chercher mon véhicule. Qui est juste là. Oh, ça monte plus vite quand on appuie sur... plusieurs fois sur... comment ça s'appelle? Sur le F. Donc là, il y a... Ah, je pense que c'était un connard, mais je l'ai évité. Ah, en voilà un autre. Bon, je vais me faire repérer, c'est ça. Au moins après, hein. Me dis pas qu'il va me rattraper. Oh man, il me rattrape. Il me rattrape alors que je suis en buggy. Et c'est malade. Et j'ai raté ma course. J'ai raté mon chemin. Pas trop regarder où j'allais, hein, finalement. Oh, man, en plein devant un autre. Voilà. Poursuite évitée. Ok, ils sont vraiment près de... Ah, là, je suis tranquille, par exemple. On freine, je dis, on freine. Et une nouvelle mission. Oh, regardez. Pouf. On peut vraiment... Oh, oh, oh. On peut vraiment... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Salut étranger, tu cherches quelque chose? Un miracle. C'est un miracle. Ouais. T'as mis dans l'eau, regarde, moi aussi. Gaspillage d'eau potable. Ok, retournons voir Jassar. Ce que tu viens de faire pour nous. Nos puits sont pollués depuis un mois. De plus en plus de gens tombent malades. J'avais peut-être tort. Ah oui, c'est vrai. Et donc, au sujet de ce médicament, tu pourrais répondre à ma question? Suis-moi, je te prie. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ok, trouver la foi, c'est toujours la même question, mais je vais d'abord... Ah, je peux pas. Ça sera plus tard. Allez. Oh. Jazir, Aran, on n'a plus d'antizine. Je cherche tout ce qui pourrait sauver mes amis. Si t'as quelque chose... Nous avons quelque chose, oui. Notre foi et nos prières. Oh, ta gueule avec ça. Sérieux, là. Sans manquer de respect, t'es en train de me dire que des prières vous empêchent de vous transformer? Le manque de foi, c'est ça ton problème. Comme tous les étrangers. Nous croyons en la mer, et elle nous protège. Mais ta gueule. Nous n'avons pas besoin de votre anti-bidule. D'accord. Bon. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de parler à cette mer. Elle est sacrée. Elle ne parle qu'avec ceux qu'on nomme les sans-visages. Cela dit, peut-être. J'ai bien dit peut-être qu'il pourrait te remarquer, si tu te mettais au service de la communauté. C'est ce que j'ai fait. Alors, il s'agit de quel genre de service? Qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Tu es sérieux? D'accord. Moi, je m'occupe de cette ferme. Mon ami Bilal, il protège la station essence, près de la ville. Fais le tour des lieux. Tu trouveras bien de quoi t'occuper. Ok, il va falloir faire des quêtes... Oh, niveau de confiance. Le seul moyen de découvrir les secrets des enfants du soleil est de vous faire accepter des sans-visages les plus dévoués, protecteurs de la mer. Terminer des quêtes, aider les gens qui vous rencontrez, sécuriser des zones, etc. pour augmenter votre niveau de confiance. C'est du secondaire pour pouvoir tourner autour du pot pour ne pas faire la quête principale. Faut monter le niveau de confiance assez haut. Bref, ok, on va faire ça. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez gagné un niveau de confiance, vous êtes désormais un étranger. J'ai gagné un niveau de confiance, je suis un étranger. J'étais quoi, avoir une pauvre merde? Ok, t'as-tu d'autres choses à me dire là? C'est bon? Je pense que j'ai quand même un niveau. Hop, pipapipapo.
Oh, je peux avoir une tenue d'étranger. Wouhou, récompense pour étranger, tenue d'étranger. Je vais tellement aller chercher ça, man. Bon. Compétences. Oui, en volant. Parfait. Parfait. Vous permet de fabriquer des pièces de buggy. Prends-le. Acheter compétences. Ok. Oui. Parfait. Lumière, parce que je vois rien. Et là, j'ai des quêtes à n'en plus finir. Tabarnouche. Lire le terrier de lapin. Chers amis, les sans-visages viennent de nous parler d'un nouveau nid de rapaces. Si vous voulez rester en vie, ne vous approchez pas de cette sinistre falaise. Évitez-la et trouvez un autre chemin vers l'hôtel. Je le répète, vous ne devez jamais vous en approcher. Accepté. Nid de rapaces. Les nids sont des viviers rapaces. On en trouve un peu partout dans la campagne. En les détruisant, vous réduirez la population de rapaces et rendrez la nuit plus sûre pour vous et pour les habitants. Attention toutefois, car les nids sont remplis de rapaces en journée. Vous aurez de plus grandes chances de réussir en agissant de nuit. Ah, donc la nuit sort, donc il y a moins de monde. Et le jour, ils sont dedans et ils font dodo. Personne disparu. La semaine dernière, mes frères et mes sœurs. La semaine dernière, après le service, je me sentais un peu mieux. Alors, mon très cher frère Emra est allé chercher, remercier la mère au monolithe. Il n'est toujours pas revenu. Je vous en prie que quelqu'un me le ramène. S'il vous plaît, je n'ai pas encore assez de force pour aller le chercher moi-même. J'ose espérer que la bénédiction de la mère n'était pas que pour moi, qu'elle a aussi permis de le protéger du danger. Sada, parfait. Donc là, j'ai... Oh, on se calme. Personne disparu. Demek et Belki sont allés voir s'il restait quelque chose d'utile à l'Oasis. C'était courageux de leur part, mais c'était aussi stupide. Et ici, on ne peut pas tolérer la stupidité. On ne peut pas se le permettre. Que celui qui leur a dit que c'était une bonne idée aille au diable. J'espère que la grâce de la mère les garde en sécurité. Si vous avez de leurs nouvelles, venez me le dire de suite. Parfait. Et en voilà une autre. Marulière arrête pas de me dire de poster ça. Elle dit qu'il y a une chatte en chaleur. Elle dit qu'il y a une chatte en chaleur ou bien une gosse malade qui chiale ou un gosse malade qui chiale près de l'hôtel en dehors du village. Moi, je lui ai dit que c'est pas vrai, que c'est un démon, mais elle veut que quelqu'un aille voir. Si c'est un gosse, on peut pas l'aider. On peut pas l'aider. Si c'est une chatte, bien on gagne une chatte. Si quelqu'un va du côté de l'hôtel, qu'il me le dise et je l'accompagnerai. Accepté. Et voilà une quête de plus. Y a-t-il autre chose? Non. Tout à l'heure, j'avais elle. Ah, dommage, j'avais comme un point d'interrogation ici tout à l'heure. Un point d'exclamation, puis là... Ok, il n'y a plus personne. Oh, man. Bruit étranger. Y a-t-il autre chose? Dans la zone, il n'y a rien. Je vais aller au petit lit, parce que je vais me changer avec une tenue d'étranger, ok? Tenue. Nouveaux habits, athlètes, tenue nationale. Je pensais que j'avais gagné une tenue d'étranger. Très bizarre. Bref, c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit un étranger. Quelle histoire? Un essai des autochtones. Les autochtones semblent protégés par une sorte de chaman, la mère. Elle se communique cependant grâce à tête de tatati tatatatati. Si je fais ça, ça fait quoi? Il me dit tout à quelque part? Essayer d'aider les autochtones. Non! Regarde leur confort. Je ferai mieux d'aider les fermiers du mieux que je peux. Le mécano, on va aller voir lui. On va commencer par ça. Est-ce qu'il est loin? Regardons un petit peu. Oh my god. Oh, ça c'est un nid. Ça c'est un nid. Et ça c'est une personne disparue. Exactement dans le nid en plus. C'est génial. On va recueillir ça. Oh là là, ok. Des maisons. Nettoyer la zone. Patati patata. Là il y a des nids. Là il y a des cachettes secrètes. Lieu de pillage. Ok. On va aller. Je peux-tu. Et là il y a quand même. Nettoyer une personne disparue. Je vais aller là. Je peux. Pouf. Je vais aller là parce que je veux récupérer cette zone. C'est simple. Je veux récupérer la zone. Léna, tu m'entends? Léna! Crane, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe?
Je vais bien, écoute-moi. Eh, je sens la nuit là, je suis fou. Ici, il y a ce groupe là. Tous ses membres semblent immunisés contre le virus. Je peux là. Je sais pas, ils sont protégés par une sorte de chamane locale, la mère. Elle communique que par ses prêtres. Je vais essayer d'établir le contact avec eux, mais ils font pas du tout confiance aux étrangers. Wow! On va essayer, mais fais attention à toi, d'accord? Ok, lui, on me saute dessus, et voilà. Oh, c'est calme. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas faire ça. Lâchez les survivants. Lâchez les poursuivants, pardon. C'est fait. Je peux... Ah! Oh mon dieu. Je vais gagner. Vous avez perdu. Oui, j'ai compris. Est-ce qu'on peut fermer ça? Ça mène à... Pourquoi on peut pas fermer ça? Je comprends toujours pas pourquoi ce lieu-là, je peux pas le protéger. Je comprends pas. On s'entend que, à moins qu'il y ait des trucs qui soient pas fermés, l'électricité qui est pas remise, quelque chose. Mais pourtant, tout est là. Pourquoi je peux pas fermer cet endroit-là? C'est pourtant. Oh, oh, wow, wow! Pourtant, je suis sur vide. Ah, non, il y a quelque chose. Là, c'est fermé. Parfait. Pourquoi je peux pas. Oh! Yeah, man! Alors, j'aimerais ça pour comprendre pourquoi. Fermer la porte. Ah! Ouch! Où est la porte? Porte. Porte, 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 porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. C'est ce que j'ai fait, non? Ah, peut-être je pousse. Ah oui! Vas-y. Ah, ok, en voilà une. Ah, enfin, j'ai réussi! Zone sécurisée débloquée. Yeah! Enfin, merci! Ouais, comment je fais pour sortir, par exemple? Comment je fais pour sortir? Ok, je peux seulement sortir par en haut, je pense. Genre, comme ça. Parfait! Excellent! Donc, là, il y avait une affaire. Ici. De personnes mortes ici. Personne disparue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends, je vais mettre dessus vu que je suis dessus. Là, il y a des bruits étrangers. Trouver la foi. Eh, c'est écrit très difficile, man. Très facile, facile, très difficile. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah. Là, il y a écrit que. Personne disparue. Je peux-tu lire quelque chose par rapport à ça là? Zone sécurisée, super. Ah, ok, peut-être quelque chose peut faire comme ça par exemple. Genre scanner. Oh! C'est quelque chose ça? Ouais, j'ai remarqué que j'avais comme le flash là. Peut-être c'est dessous. Je sais pas quoi faire.
Ça indique qu'il y a une personne disparue. Je suis à l'endroit où il y aurait certainement une personne disparue. Mais malheureusement... il n'y a rien. Ah, pourquoi ça s'ouvre pas? Avant, je peux ouvrir. Depuis quand c'est fermé? Ouais, on peut fabriquer un nouvel objet, j'ai bien compris. Si je tire là-dessus, ça va faire du bruit, je suppose. Ok, ben je comprends pas l'affaire de la personne disparue. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire autre chose, parce que ça en est un petit peu ridicule. Est-ce que je vais nettoyer cette zone-là? Je vais aller nettoyer cette zone. Est-ce qu'il y a une zone? Ouais, je peux nettoyer. C'est la dernière qui reste. Ok, on va aller faire celle-là. Je comprends pas l'affaire de la personne disparue. J'y suis, puis il n'y a rien. Donc on va vivre avec, hein, qu'est-ce que je te dise. Calme-toi. Veux-tu bien ne pas me cracher dessus, hein? C'est vrai que c'est pour... Oh putain, j'aurais peut-être pas dû. Oh putain. Nouveau lieu indiqué sur la carte, parfait. Oh wow 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 wow. Stop. Oh ouais, j'ai vu là. Je t'ai vu, dude. T'es tout seul? T'as l'air d'être tout seul. Tiens. Calme-toi. Je le frappe avec ma batte. Oh, il est mort. Excellent. On va tout de suite aller rétablir le courant. J'oublie toujours que je peux l'achever. Je peux l'achever. Ok. Y'a-tu quelqu'un? Oh, y'en a un qui rampe, il est donc ben mignon. Y'a-tu un autre? Allô? Wow. T'as-tu vu un peu mon coup que je t'ai donné, man? Oublie ça. Oh, y'en a un autre? Ah, oh, il est juste derrière, ok. Salut. Laisse faire. Rétablir le courant. C'est où ça? C'est-tu en haut? C'est où en rétablir le courant? Ah, il y a une autre personne disparue dans ce coin-là. Ok, là, c'est où rétablir le courant, ça suffit. Là. Oui, j'ai bien compris, il faut juste que je rétablisse le courant. Oh, c'est quoi ça? Parfait. Où c'est? Ouais, je l'ai vu, t'es là, parfait. Mais tais-toi. Boum, et on prend ça. Oh, t'es juste là, ok, tu m'as fait peur. Désactiver la radio. Il y a comme des mots. Ah, c'est là. Je le cherchais partout, sérieux là.
Wow, zone sécurisée inactive. Certaines zones sécurisées de la campagne sont inactives en raison du manque d'électricité. Allez aider Bilal sur la quête. Tiens-moi au courant afin de pouvoir les activer. Merde, okay. Y a plus de courant, on dirait. Jazir, ici Crane. Je viens de trouver une planque parfaite, mais y a pas de jus. Le courant a été coupé? Oui, c'est une longue histoire. Et je ne suis pas électricien. Demande plutôt à Bilal, notre mécano. Bon. Oh, tiens, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Bonjour. Parfait. Bon, c'est fermé. Est-ce que je peux juste changer d'arme pour le tirer dessus et faire exploser sa tronche de merde? Bye. Oh, est-ce que ça a attiré du monde? Ça fait du bruit, mais ça a attiré... Ah! Ah, oh, man, sérieux, là? Arrêtez de baisser la tête, arrêtez de baisser la tête! Tiens! Et voilà. Bye. Ok, donc le... Nous, on va aller là. Station essence de Bilal. De toute façon, faut aller là. Donc, on s'en va là. Ah, j'ai une quête ici. Parfait. Puis là, j'ai pas de quête. J'ai pas de quête ici. Là, il y a une autre personne. Endroit inexploré. Endroit inexploré. Personne. Ok, on va... Ah, on va aller faire ça. Parti. Calme-toi. Bye. Ouais, faut que je m'en aille. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir faire passer la voiture. Ah, peut-être par là. Et on est... Oh, waouh, j'ai peur. Tabarnouche. Défi vitesse maximum, je suis... Ah. Va venir t'aider, bouge pas. T'es où? Allez, monte. Yes, t'es bon. Tiens. Et voilà. Tout le monde meurt là? Il brûle, là, ça y est. Ah, il brûle. Ah ouais, il devrait tomber, là. Couché, j'ai dit. Puis toi, là. Couché. Et voilà. C'était trop nombreux. Je pouvais rien faire. Ouais, ouais, calme-toi. Putain, je vais monter. Parce que, d'une, t'as quelque chose à me donner, comme ça. Et là, j'ai quelque chose à ouvrir ici. Merci beaucoup. Excellent, merci dude, bye. Et voilà, ça c'est fait. Oh, améliorer le... Appuyer sur un dommage pour la réparer, parfait. J'ai dit ok, ah, maintenir. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de réparer? Je peux faire tout réparer? Si vite, ouais, vas-y. Parfait, tout est réparé là? Non, ça a pas l'air d'être ça, hein. Ah oui, elle est réparée. On s'en va. Non, c'est pas réparé pendant tout, ça clignote encore. Ah, tabanoche, c'est bon. Faudrait que je fasse réparer ma voiture. Hein. Défi destructeur. Ça serait pas du luxe de faire réparer mon véhicule. Ah, fuck man, sérieux. Oh, fuck man, sérieux. Oh la vache. J'aurais peut-être dû prendre la route parce que là c'est n'importe quoi. Ouais, il y a une route par là, parfait. Oh my god.
Ça s'en sert. Ah, t'as pas de neige, calme-toi. Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait? Maintenir. Jerrycan distance. Maintenir. Faire le plein. Jerrycan d'essence. Faire le plein. Maintenir. Jerrycan d'essence. Et faire. Faire le plein. Le buggy est plein. Excellent. Le réservoir est plein. Excellent. Donc là, c'est. Sûrement haut. T'es où? Ah, t'es là. Salut, dude. T'es qui, toi? Ah, t'es un vendeur? Ça m'adresse pas. Il est où ton boss, là? Parfait. Salut. On se connaît? Salut les enfants, on se connaît. Salut. Bonjour, je vais juste passer. Ah, t'en prends pas beaucoup de place, hein, mon gros. Hein. Oh, on dirait qu'il y a du café, quelque chose ici. J'ai appris à fabriquer le déchargeur. Trophée de course. Et c'est bon. Salut. Pardon, c'est vous le patron ici? Non. Hey, Nouri, tout va bien, mon gars. Tiens, voilà. Je suis Bilal et lui, c'est Nouri, mon frère. Kyle Crane. C'est un plaisir de... Oh, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Kyle? Eh ben, il paraît que les gens d'ici ont besoin de quelques coups de main. Ah oui, Jazir m'a dit que tu viendrais. J'ai entendu parler de toi. J'essaie simplement d'aider les gens qui sont en ville. Eh, hey, aider les infectés, c'est pas la peine de m'expliquer ça à moi. Je comprends. Mon frère a été mordu il y a 2 mois. 2 mois? Mais il s'est pas transformé? Moi non plus, j'arrivais pas à y croire. Mais il est bien là, toujours en bonne santé, pas comme cette épave. Regardez ce tas de ferraille. Jazir ne ment pas. On a vraiment besoin d'aide. Ouais, bah je vais t'aider. Hey mec, je suis carrément jaloux de ta caisse. Ben ça là. Faisait longtemps que j'avais pas vu un véhicule en état de rouler. Tu sais quoi? Si tu me le ramènes de temps en temps, j'y jetterai un coup d'œil. Pour voir si je peux améliorer des trucs. Le rendre encore plus cool. Cool. C'est tout? Si tu veux nous être utile, prends-en soin. Ok. Je suis pas mécano, hein. Loin de là. Coup de chance que je sois là, alors. Bon, voici ce que tu vas faire. Ça va faire beaucoup de route, mais tu le regretteras pas, promis. Il y a d'accord. Un camion de s'est échoué sur le bas-côté d'une grande route. Va jeter un coup d'œil et rapporte-moi toutes les pièces qui pourraient nous servir, ok? Ok. Ce que tu veux. Sauf que récompense, peinture, se renseigner et retrouver, livrer la pas caisse. Trop pour les bras. Parfait. Moi je prends toutes. Parfait. En tout cas, merci. Tu nous de rien, de rien, de rien. Vous avez réparé une des pièces de votre buggy. Vous pouvez réparer, pardon. Compétence, j'ai une compétence. Oui, niveau de survivant. Parfait. On y va-tu avec. Ça, c'est quoi? Camouflage. J'irai avec du camouflage. Parce que la vie est ainsi faite. Et sinon, on avait dit. Tiens-moi au courant. Difficile, facile, très facile. Atténuer le camion de Silas vers l'autoroute. Ok. Ok, on va commencer par ça. Hein. Ça dépend, c'est quoi ça? Se renseigner. Bilal, Jazir m'a dit que tu pourrais m'expliquer pourquoi il n'y a plus de courant nulle part. On y travaille. Ça te dirait de nous aider? Mais alors, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, commence par apporter ce fusible à Ali à l'usine. Sans ça, il heureusement que je l'ai pris, ça se trouve je serais venu, puis je serais allé voir Ali, et puis j'aurais pas eu le truc. On devrait récupérer du courant. Ah, s'il s'électrocute pas entre temps, bien sûr. Hein. Bah, ce type est un peu taré. Une fois, j'ai vu un type qui essayait de retirer une ampoule cassée de la douille en utilisant un tournevis en acier. Le courant avait pas été coupé, évidemment. Ouais, c'était sûrement Ali. Mais bon, il est comme ça. Alors, résumons. 2 choses. Déjà, tu vas lui apporter ce fusible. Et ensuite, il va falloir un isolant électrique pour éviter que le fusible grille direct.
D'après lui, l'ancien devrait tenir, mais... Franchement, j'ai un gros doute. Ouais. C'est bon. Ok, on est bon. Là, par exemple, moi, je vais plutôt faire celle-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux voler? Ben, voler, en tout cas, prendre. Y a-t-il quelque chose de super... Oh, mon Dieu. Donc là, ça s'ouvre pas. Personne disparue. Mes amis, je préférerais que nous vivions des jours meilleurs. Je voudrais pouvoir blaguer que Emery s'incruste à une fête comme à son habitude ou qu'il cuve son alcool quelque part. Mais ouais, Emery a disparu. Je crois bien qu'il a parlé d'aller voir la pizzeria près de la plage. Aux dernières nouvelles, c'était un endroit plutôt sûr. Alors peut-être qu'il y est en bonne santé. Parfait. Attini. Oh, ok. On va prendre tout de suite ça. On accepte, on prend ça, on accepte, on prend ça et on fait excellent. Non, c'est bon. Je me dépêche avant qu'on me vole mon véhicule. Et faut que je me dépêche. Et c'est parti. Non, c'est pas juste une. Moi je fais ça. Bye. Je peux-tu regarder s'il y a un chemin particulier à prendre? Ouais, ça aurait été beaucoup plus mieux en passant de l'autre côté. Ok, on y va. Je vois que c'est de la merde par là. Et voilà, arrivée des bandits. Dépêchons-nous. Juste enlever mon affaire. Et c'est parti. Est-ce que je me suis encore trompé de route? Tabarnouche que oui. Prendre le petit chemin qui est là. Allez, c'est parti, on y va. On se dépêche. Et on se dépêche avant l'arrivée des bandits. Tout droit. Oh ouais, je vois qu'il y a une caisse là. Sauf que j'ai pas le temps pour la caisse. Et j'ai pas envie de rater ma mission. Ouais, je passe pas en haut, sérieux. Oh fucking shit, man. Ok, on va passer par là. Parachute volé, oui, c'est bon. Ok, oh tabarnouche, bye. Tu peux passer là? Ça passe. La vache. Là ça passe pas. Ish. Oh merde, désolé. Je pensais qu'il y avait personne. Sans blague. Sale petit voleur. Eh hey, relax. Je cherchais juste des pièces pour ma voiture. Mm-hmm. Je comptais pas voler quoi que ce soit, je le jure. Aller au camionneur, parfait. Si t'as besoin de pièces, tu peux les acheter. Je m'appelle Jacob Graves. Kyle Crane. Enchanté. Alors que les choses soient claires, toutes ces pièces sont à moi. Si tu veux quelque chose, il va falloir payer. Peux-tu me buter ? Compris. Un étranger dans un pays étranger. Audier les autochtones pour les envisages, voix. Ouais, j'ai bien compris. Je peux-tu juste te péter la gueule ? Wow. Rappel de véhicule. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, mon véhicule doit pas être loin. C'est quelque chose ici. Ok, où est mon véhicule? Juste là, parfait. Fouiller quelque chose, je sais pas. Donc là, faut que. Oh! Ok. Là, faut que je fasse quoi, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste une grotte. Facile, facile. Sans parler de difficulté, c'est bien.
Bon bah on va aller faire ça hein. Juste une grotte. Dans la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner à ma face, à ma chaîne, ma face. Hey man, c'est n'importe quoi. Ok, vous connaissez la suite de toute façon, donc je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.